fois, Abby a risqué sa vie pour toi. Elle a fait son choix. Moi, j'irai pas la chercher. Alors rentre. Va-t'en. Va chier, Owen. Mets en l'air. Où est Abby? Toi. Approche. Amène-toi, putain! Montre-moi où elle est sur la carte. Ensuite à toi. T'as intérêt à ce que ça colle. Ok. Qu'est-ce que tu fais? Elle est sûrement déjà morte. Ça vaut pas... Ah putain! Dis-moi où est Abby. Où elle est, putain? Tout va bien. Eh bien, on s'en va. On s'en va. Tout va bien. On va pas le faire, il y a de la neige partout. Non, d'ici à ce qu'on arrive, tout aura fondu. Où est-ce que tu vas? J'avais besoin d'air. Qu'est-ce que vous faites debout? Insomnie. Viens jeter un coup d'œil. L'idée, c'est de rentrer en passant par Ellensburg. Si on atteint Fall City demain, on avance bien. Méritait ce qui leur est arrivé. Mais elle est encore en vie. Ouf. Ouais. Tu peux l'accepter? Ouais, faut bien. Je me serais bien passé de traverser l'Idaho encore une fois.
Ce qui devrait te préoccuper, c'est la réaction de Maria quand elle te verra rentrer. On a connu pire. Mais au cas où, je suis passé par un quartier chic quand j'étais en ville. Et j'ai aperçu un collier. Il est bien brillant, je crois que c'est de l'or. Ouais, ça c'est ce que tu crois. Je te dis que c'est de l'or. Vas-y, fais voir. Je sais reconnaître de l'or. Si c'est bien de l'or, on peut faire cadeau commun. Débrouillez-vous tout seul pour l'amadouer. Ça va, toi ? Ouais. Ellie ? Ça va. Merci de pas m'avoir laissé tomber. J'abandonne jamais mes amis. Toujours le même refrain. D'accord, alors disons... que mes amis savent pas se démerder. C'est mieux ça. Merde! Lève-toi! Les mains en l'air ou je bute l'autre! Fais pas ça, Ellie! Fous le camp! Lève-toi, j'ai dit! N'écoute pas, je te dis! Tu la fermes! T'es d'accord! Arrête! Stop! Jette ton arme! Jette ton arme! Merde! Je sais pourquoi t'as tué Joël! Il a fait ça pour me sauver. C'est ma faute, y a pas de remède. C'est moi que tu veux. Relâche-le. T'as tué mes amis. On vous avait épargnés. Et voilà le résultat. C'est pas vrai. C'est parti. Bon. Papa ! Bon, comment je fais pour passer au-dessus de la barrière ?
à marcher. On peut pas passer par là. Je peux peut-être monter sur le toit. Visez-moi ça, 1978. C'est parti. Là. Ok. La classe, Abby. Tu as de la boue un peu partout, chérie. On a aussi. Où ça? Juste là. Oh. Tu sais, à chaque fois que tu disparais, c'est moi qui me fais engueuler. Arrête. C'est dur à croire, mais il s'inquiète pour toi. Il n'y a aucun danger ici. Papa. Abby, elle est dans le coin. Je l'ai vue de l'autre côté de ces arbres. Et alors? Elle va bientôt mettre bas. On l'observe juste un petit peu et on rentre. Je te le promets. D'accord, mais on se dépêche. Heureusement, j'ai ma petite fille pour me protéger. Comment tu savais que j'étais ici? Owen a vendu la mèche, c'est ça? Il a fait ce qu'il fallait faire. Comment t'as fait pour qu'il parle? Je lui ai demandé. Hé, hey, regarde un peu ça. Oh, waouh! 1978. Je l'ai pas dans ma collection, celle-là. Elle est à toi. Si tu promets de jamais refaire un coup pareil. Alors, marché conclu. Je te crois pas du tout. C'est vraiment mal me connaître. Allez, viens. On s'y remet. Papa. Détends-toi. Tu retrouveras Owen dans pas longtemps. Qu'est-ce que... Non, rien. Tu passes beaucoup de temps avec lui en ce moment. Plus que d'habitude. Oh mon Dieu. Depuis quand t'es au courant? Je suis ton père. Je sens ces choses-là. Vous faites tous les efforts du monde pour ne pas vous regarder quand je suis là. J'en peux plus. Et il te fait rire. C'est parce qu'il est un peu idiot. Il se montre plus gentil avec moi désormais. Et donc tu profites de la situation. Abby, regarde. Des traces récentes. Attends un peu. Ce serait pas une manière détournée de m'apprendre le pistage par hasard? Je ferais jamais ça. Et ça marche? Ben, j'ai retrouvé ta trace. Oui, mais tu as triché. Sois prête à tout pour réussir. Waouh! Ça t'arrive donc d'écouter? T'as des éclairs de génie, parfois. On va voir si on peut trouver autre chose. Papa, j'ai trouvé quelque chose. Oh, c'est pas vrai. Elle a déjà mis bas. Oh. Et regarde, deux paires de traces. Papa? C'est elle. On y va. Elle a pas l'air bien. Non, elle souffre. Allez. Papa, attends. Et s'il y avait des infectés dans le coin? On craint rien ici. Ils peuvent être n'importe où. T'as ton flingue avec toi? Évidemment. Mais merde. Abby. On la libère. Tout va bien, du calme. T'en fais pas. Pas te faire de mal.
Tout va bien. Merde. Elle est vraiment coincée. Ok. AB, viens ici. Tiens. Je vais la tenir. D'accord. Ok. Doucement. Doucement. Doc, vous êtes là? Par ici, Owen. Mais... S'il te plaît, viens m'aider à la tenir. On a besoin de vous. Owen. Tiens là. Allez. Attention. Ok, tu la tiens bien. Ouais. Ok, à toi de jouer, Abby. Mais doucement. De presque. Putain de merde! Tout le monde vous cherche. Attendez! Papa! Oh. Qu'est-ce qui se passe? Allez! On a fait du bon boulot. Doc, la fille est arrivée. Quelle fille? Celle dont Marlène parle tout le temps. On l'a trouvée dans le tunnel. Elle a une vieille morsure au bras. Aucun signe d'infection. C'est pas possible. Ils sont déjà en train de faire des tests, mais... Faut que vous alliez voir. Papa... On y va. Il doit y avoir un autre moyen. On ne peut pas prélever le spécimen sans détruire l'hôte. L'hôte. C'est une enfant, pas une boîte de pétri. Tu crois que je... J'ai conscience de ce qu'on doit faire. Tu veux parler de la tuer, non? Non, je veux parler de créer un vaccin qui sauvera des millions de vies. Combien de lucioles sont mortes pour moins que ça? Parce que c'était leur choix. Tu demandes mon avis? Ou t'as déjà pris ta décision? Marlène, je veux que tu sois de notre côté. Et si c'était Abby? Écoute, tout ce qu'on a pu faire, tous ces sacrifices, toutes ces atrocités, tout ça serait justifié par cette seule action. Si on parlait de ta fille, qu'est-ce que tu... Abby. Je t'ai apporté à manger. Merci, ma chérie. Écoute, Marlène. Fais-le. Merci. Je vais prévenir Joël. Pourquoi? Il a traversé tout le pays avec elle. Il a le droit de savoir. Bonne chance pour l'opération. T'as pris la bonne décision. J'aurais voulu que tu m'opères.
encore dans les parages. C'est... Abby. Non. Abby, regarde. Papa pas. Papa. Non. Non. Lève-toi, putain! Pitié, fais pas ça! Pitié! Non, fais pas ça! Joël! Allez, lève-toi! Attends! Non! Non! Va au diable, Pendero. Arrête de te péter! Eh oh, qu'est-ce que tu fais? Manny, je fais le ménage. Non, 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 on est là pour lui, c'est tout. C'est trop risqué de le laisser partir. Non, mais tu t'écoutes. Il a raison. Il faut finir ce qu'on a commencé. Si on les tue, on vaudra pas mieux que lui. Ils ont rien fait de mal. Ah ouais? T'as vu ma gueule? Je l'emmerde, ta gueule. T'aurais dû monter la garde là-haut, comme je te l'avais dit. Bouge! Recule! Tu te calmes! Ou quoi? Recule! Calmez-vous! Jordan! Tu vas me buter. Stop! C'est fini. Abby ? Oh. Du calme. Ça va pas, Abby ? Ouais, ça va. Et toi ? Je t'ai cherché partout. On a besoin de nous. Isaac nous demande sur le front. Quoi ? T'es sérieux, là ? J'en ai bien peur. Faut qu'on y aille. Quoi ? Là, tout de suite ? Ouais. Vámonos. Ok. En vrac. Au fait, merci de m'avoir laissé la chambre hier soir. De rien. C'était qui cette fois ? La fille qui cuisine ? Non, celle de la météo. Elle a quitté sa montagne. Oh, la télé alors. Sympa. Ouais, sauf qu'elle est un peu trop obsédée par son boulot. Elle a pas arrêté de me parler d'une tempête et je sais plus quoi. Et ça valait le coup ? Oh, carrément. Je peux mourir heureux maintenant. Tu m'étonnes. Tu pourras pas trouver mieux qu'elle. Bonjour, mademoiselle Potts. Bonjour, Mamie. Elle aussi ? Un gentleman sait tenir sa langue. Ouais, d'accord. Prends-moi un truc comme picante. T'auras ce que t'auras. Content de te revoir aussi, Abby. Hey, Jordan, je t'avais pas vu. Tu viens avec nous au Cerevena ? On doit aller à la base, avec Manny. Qu'est-ce que tu vas faire au Cerevena ? Il faut qu'on aille évacuer l'hôtel et l'école. On prend le matos et on ramène tout le monde à la base. Sérieux ? Ouais, j'arrive pas à croire qu'après tout ça, on se replie. On sait pas si c'est ça. Au moins, Léa reviendra plus vite de la station télé. C'est déjà ça, ouais. Faut que j'y aille. Que ta vie soit longue. Et que ta mort soit rapide. Jouer avec toi, Mike. Mais tu peux pas t'empêcher de revenir dans tes talons.
la chance, pas vrai? Ce jeu, c'est que de la chance. Alors pourquoi j'enchaîne les victoires? Beaucoup de temps avec lui. Ça va sortir. C'est toi qui l'es. Et voilà, ça comprend. On m'a dit qu'elle était vraiment mal. Ouais. Bonjour. Ah. Abby. Vous allez bien? Je vais très bien. Tu voudrais pas lui demander d'enlever ça? J'ai essayé. Eh, hey, ça me va bien. Te ves horrible. Bueno, faut qu'on y aille. Fais attention à lui. Pour vous? Bien sûr. Je sais pas quoi te dire. T'as pas eu de bol, c'est tout. Ces flingues, c'est du costaud. D'accord. Salut. Est-ce que t'as le savon que j'aime bien? Celui au pain. Non, désolé. Mais la section à côté attend une nouvelle cargaison. Tu pourras aller les voir demain. Tant pis. Merci quand même. C'est pas pour les enfants. C'est pour les Michel. Ils le portent des fois dans la... Le problème, c'est ces foutus cars. Il y a quoi au menu? Des burritos. Encore. Ok. Mais au moins, on a de quoi se défendre. Abby, ouais, qu'est-ce que tu fais? Hé, tenemos prisa, la metas burritos. Et dis donc, tu pourrais faire la queue. Putain, Manny, ça se fait pas. Excuse-moi. Dans ton tour, comme tout désolé. Le monde. On doit aller au front, ok? C'est hyper embarrassant. T'en prends trois? Prends-en un. T'énerve pas. Mel vient avec nous. Manny. Il est où ton sac? Dans la chambre? Pourquoi tu me fais ça, hein? Parce que vous êtes mes amis. Et que j'en ai ras le cul de vos histoires. Elle est au courant que je viens, au moins? Ouais. Et elle est d'accord? Ouais. Pourquoi quand tu dis oui, j'entends non? Peut-être parce que j'articule mal. Allez, arrête un peu d'être parano. J'ai l'impression que ça t'éclate de me mettre mal à l'aise. Non. C'est juste l'occasion de faire la paix et enfin passer à autre chose. On s'est à peine adressé la parole depuis Jackson. Je suis censé faire comme si rien ne s'était passé? Bien sûr que non. Faut juste que vous en discutiez. Elle voulait la peau de Joël tout autant que nous. Mais tu sais bien qu'elle est pas comme nous. Elle avait encore jamais fait un truc pareil. Tu parles, elle... Elle tue des scars à tour de bras. Ouais, mais pas comme on a tué Joël. Je te rappelle qu'on est des troufions, nous. Elle, elle est médecin. Fais un effort, Abby. Elle fait partie de la famille. Fais-le pour moi, d'accord? Je vais essayer. C'est tout ce que je demande. Prépare tes affaires. Je vais chercher Mel. Ouais. Sois gentil. Va chier. Une scientifique, hein? Ah. Oh. Je ferai ça plus tard. Toc. Alors, t'es prête? Ouais, j'arrive.
Salut. Salut. Ils t'ont déclaré apte pour le service? Pour l'instant. Ils te mettront au repos, si tu demandes. Non, je préfère rester active. Et Owen est d'accord? Il devrait décider à ma place. On prendra Alice en partant. Hé. Hey. Essaie encore. Qu'est-ce qu'ils veulent exactement? C'est juste une patrouille de routine, t'inquiète. Et ça t'embêterait d'aller voir mon père à ton retour? Il a l'air, je sais pas, mal en point. Comment ça? En fait, il se plaint de fortes douleurs dans les poignets. Il peut à peine tenir une cuillère. On peut peut-être lui donner plus d'antalgique. Il paraît qu'Owen et toi, vous êtes dans la section 96. Ouais, c'est sympa. C'est plein de jeunes parents. Vous devez être impatient. Que le bébé arrive. Voir tous ces enfants courir partout. Ouais, je me prépare. Tous ces mioches qui braillent. Owen doit devenir dingue. Il a encore rien vu du tout. Il est en patrouille avec Danny. Danny? Aïe. Pas de bol. Ouais. Merci. Elle joue à l'intérieur. Super. Abby, tu vas la chercher? Hé, hey, ma belle. Salut, grosse bête. Hé, hey, voilà ma préférée. La seule qui te supporte, ouais. Sois pas jalouse. Hein? Oh, salut, Bridou. Bon, ok, mais juste parce que t'es gentil. Monsieur qui le meilleur? Ouais. Chope la belle. Va chercher. Hier soir? C'est possible. Quel tombeur. Qu'est-ce qu'elle fait en ville? Un truc pour Isaac. La vache, elle a trouvé le temps long là-haut. Ça a l'air de lui plaire. Tu l'entendrais parler de Cumulus. Au moins, elle n'est pas obligée de se battre, elle. Je trouve pas que ce soit un avantage. J'aimerais bien y échapper, moi. Et juste soigner des familles. Ça te manquerait de plus de bousiller de Scar? Non, je crois pas. Moi, ça me rendrait dingue. Salut, Abby. Salut. Salut, Pat. Hé. Hey. Salut, Pat. Comme d'habitude. Ça marche. Gracias. Y a quoi comme bagnole? Prenez la S24. Je conduis. Tu signes. Pas de terreau. Merci. Que ta vie soit longue. Que ta mort soit rapide. Je vais peut-être m'échauffer un peu. Eh, hey, et si on se faisait un petit concours? Le perdant nettoie l'appart. On joue gros. Le meilleur sur un chargeur plein? Ok, cabron.
prochaine fois, je prends ce flingue. Ouais, c'est le flingue qui fait tout. Oh, d'ailleurs, il y a une tonne de vaisselle à faire. T'es pas cool. Oh, tu peux plier mon linge aussi. Faut qu'on aille à la base. Aussi, tu m'as mangé. Alice va devant. Mel est enceinte. L'air frais lui fera du bien. Comme ça, vous pouvez papoter. Subtil. Gracias. Camion S24 au secteur 2. C'est un morceau rapide. On a perdu une explosion ? Ouais. Et vous avez prévu de la reconstruire ? Non, Isaac dit que c'est pas une priorité. On pêche pas mal de saumon sauvage. Tu voulais dire quoi pour moi, Owen ? Je ne l'ai pas vu depuis 2 semaines. Il n'arrête pas de prendre des missions. Tu lui as parlé ? Il t'a dit quelque chose ? On se parle jamais. Enfin, je croise au réfectoire, mais on s'évite l'un l'autre. Jackson, là.
sécuriser la zone.